Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo normale j'ai envie de dire, puisqu'elle parle cheveux et que c'est un petit peu grâce à ça que j'ai beaucoup de vues. En fait j'ai l'impression que vous aimez bien quand je parle de trucs et astuces pour les cheveux. Bref, pour la petite histoire, voilà. Ce produit là, j'ai vu la pub dans le closer et je me suis dit, ah ça a l'air bien. Du coup j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé aucun avis. Et je me suis dit, eh ben comme d'habitude, je vais faire une vidéo, voilà. Donc ce produit, sans plus attendre, et puis c'est dans le titre de toute façon, c'est donc un soin neutralisant qui élimine les reflets orangés. Et est de chez Garnier. Voilà. Sans les reflets, c'est mieux. Et justement, voilà, reflets, on reste dans le thème. Enfin bref. J'avais déjà testé plein de produits pour les reflets orangés, à savoir, il y avait un shampoing de chez L'Oréal qui coûtait bonbon, hein. Il y a Deux Anges qui a sorti aussi un truc, et puis j'étais pas convaincue. Donc j'ai testé le Deux Anges et le L'Oréal, et j'étais pas vraiment convaincue. Et là, puisque c'est donc la gamme Garnier, donc c'est 100% ultra blond, qui fait ça, donc... La même gamme que la gelée éclaircissante, et la gelée éclaircissante de chez Garnier j'avais vraiment beaucoup apprécié, justement parce qu'il n'y avait pas de reflets orangés, contrairement à d'autres sprays éclaircissants. Donc je me suis dit, je vais tester et je vais vous en parler forcément. Donc ça se présente comme ça, il n'y a pas de packaging extérieur, c'est vraiment comme un soin normal. Il y a seulement 150 ml. Je dis seulement 150 ml parce que voilà, il faut l'appliquer uniformément sur tous ses cheveux. Quand vous avez des cheveux un petit peu longs, ça part vite. Ça coûte aux alentours de 8 €. Oui, je commence par les trucs un peu... Je vous parle du résultat à la fin, on garde le meilleur pour la fin de toute façon. Voilà, donc ça coûte aux alentours de 8 €. Ça dépend évidemment des grandes surfaces, puisque oui, ça s'achète en grande surface. Donc au rayon coloration, juste à côté de la gelée éclaircissante. Donc c'est un soin qui a marqué. Révèle l'éclat de votre blond, nourrit intensément, douceur et brillance. Donc c'est vraiment un soin. Enfin, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Derrière, vous avez simplement les conditions d'utilisation. Et en fait, il s'agit... c'est un peu une pseudo-coloration. Parce qu'on vous dit de faire le test des allergies derrière votre oreille 48 heures à l'avance, ce que personne fait, mais ce que tout le monde devrait faire, y compris moi. Et donc en fait, ils disent d'utiliser ça une à deux fois par semaine. Et c'est sur cheveux lavés et essorés. Et on pose donc ce masque pendant 5 minutes et on rince abondamment. Voilà, donc comment ça se présente? Comme ceci. Je vais en sortir un petit peu pour m'en mettre, parce que c'est marrant, le violet est un très joli violet. Voilà, il fallait que je vous le montre quand même. C'est du violet lilas, violette, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup, enfin voilà, j'aime la couleur. Bravo. Voilà, ensuite, niveau odeur, ça sent un soin tout à fait, ça sent un soin tout à fait normal pour tout vous dire. Et là j'ai l'air con parce que j'en fais quoi de ça maintenant? Ça sent le soin pour cheveux. Voilà. Ça sent pas la coloration, ça sent vraiment le soin pour cheveux. Ensuite, donc son objectif, c'est d'enlever les reflets roux, appelons un chat, qu'on peut avoir dans les cheveux. Si vous êtes blonde comme moi et que vous essayez d'éclaircir vos cheveux tout en restant naturel, ça c'est vraiment marrant. J'aimerais être naturelle mais en étant superficielle. Voilà, vous savez de quoi je parle, donc soit vous avez utilisé un spray éclaircissant de merde et vous avez obtenu des reflets orangés. Moi la dernière fois j'ai utilisé une coloration parce que je pouvais pas aller chez le coiffeur, j'ai utilisé une coloration et je trouve que vraiment toutes les colorations... Donc, moi ça fait deux fois que je l'utilise, j'aurais dû vous faire des photos avant mais j'ai pas pensé, bref... Est-ce que ma couleur va bien sortir? Ça c'est un autre problème, donc pour vous dire, croyez-moi sur parole parce que j'essaie vraiment d'être le plus honnête avec vous possible. J'avais vraiment des reflets orangés,
La première utilisation, après avoir séché mes cheveux, l'orange avait changé de orange en fait. C'était devenu un orange vraiment artificiel. C'était pas très très joli. Et je me suis dit, ben, s'ils disent que c'est au bout de plusieurs applications, peut-être qu'en l'appliquant plusieurs fois, ça va s'estomper. Et la deuxième fois, j'ai appliqué. Et franchement, ça a atténué vraiment vraiment le orange de mes cheveux. Ça fait une sorte de patine sur mes cheveux et ça donne un résultat beaucoup plus beau. Après, c'est pas vraiment le résultat miraculeux blond d'enfance, mais je trouve que c'est un cache-misère fantastique pour camoufler en attente d'aller chez le coiffeur. Voilà. Franchement, bon après c'est vrai que ça se vide vite, comme je vous l'ai dit, pour les cheveux longs. Mais sinon, c'est vraiment un produit que je recommande parce que ça enlève effectivement les reflets roux. Ça les estompe. Et là, vous allez venir, mais attends. Je te vois venir, toi. Tu nous dis que c'est super, mais il y a un mais. Eh oui, il y a un mais, malheureusement, à ce produit. Enfin, moi, je trouve. Hein. Donc, moi, je suis blonde, méchée. Et il y a donc des mèches orangées de la coloration précédente. Oui, on peut m'applaudir pour cette bêtise. Et il y a les mèches faites par le coiffeur. Et le problème, c'est que ça n'agit pas seulement sur les mèches oranges, hein, ça agit aussi sur les mèches blondes et ça les rend plus claires. Ce qui fait que vous avez une démarcation peut-être un petit peu plus... J'ai l'impression que mes cheveux ressortent dégueulasses à la caméra alors qu'ils sont pas comme ça en vrai. En vrai, j'ai des jolis cheveux. Hein. Et voilà. En fait, ça délimite les mèches, en fait. Ça accentue vos mèches, ce qui peut faire un résultat un peu moins naturel, je dirais. Mais sinon, je pense que, voilà, c'est pas le miracle des cheveux qui ont des reflets orangés, mais ça aide franchement, ça les atténue. C'est vraiment ce qu'il faut si vous avez fait comme moi une petite bêtise, ou si vos mèches ont viré à cause de différents facteurs. Donc je recommande ce produit. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire en tout cas. Voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous comme à mon habitude. Et je vous dis à très 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 bientôt pour un nouveau produit capillaire de chez Garnier. Voilà, bisous.